Et on est en direct. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream où on parle politique européenne et où la politique européenne vous parle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Comme vous l'entendez, ce soir, on est à nouveau en français. On va faire quelque chose d'un peu différent par rapport à d'habitude, puisqu'on va pas faire une interview d'un député européen, mais on va faire un débat, en fait. On va faire un débat avec deux députés européens que j'ai invités pour l'occasion, et on va discuter, comme vous voyez à l'écran, de la régulation européenne du numérique. Vous le savez peut-être, depuis le règlement européen sur la protection des données personnelles, l'Europe est considérée comme un leader mondial en matière de régulation du numérique. Et elle a investi beaucoup d'énergie ces dernières années pour réguler l'Internet, et plus particulièrement les géants du net. Et justement, ce sur quoi on va se concentrer ce soir, c'est les deux dernières grosses initiatives européennes en la matière, qui sont d'un côté le règlement sur les services numériques, que je vais appeler DSA, donc c'est l'acronyme en anglais pour faire plus court, et de l'autre, le règlement sur les marchés numériques, que je vais appeler le DMA, pareil, l'acronyme en anglais. Ce sont les deux des textes les plus importants de ce mandat, très probablement, hein. Ils sont encore en négociation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et ils font partie des priorités de la présidence française de l'Union européenne. Donc, en très très résumé, qu'est-ce que c'est que ces textes? Donc, d'abord le DSA. Le DSA, c'est une update en fait des règles fondamentales qui s'appliquent aux services en ligne. Les règles actuelles datent d'environ 20 ans. Par service en ligne, j'entends fournisseur d'accès Internet, service en nuage, messagerie, place de marché, réseaux sociaux, plateforme de vidéo, etc., etc. Donc vraiment tout type d'intermédiaire. Le DSA, il va définir les règles minimales que ces services doivent suivre à partir du moment où ils sont établis en Europe et où il vise des Européens. Donc si un service est basé en dehors de l'Europe et qui vise des Européens, il sera quand même conseillé par le DSA. Et aussi, plus particulièrement, en matière de modération et de lutte contre le contenu illégal. Et à ce titre, le slogan du DSA, c'est « Ce qui est illégal hors ligne est aussi illégal en ligne ». Le DMA, quant à lui, c'est le petit frère, droit de la concurrence du DSA, entre guillemets. C'est donc depuis 20 ans, on a observé que les géants du numérique, hein, pensez à Google, Amazon, Apple, etc., ils ont eu un gros impact évidemment sur le marché et des pratiques qui peuvent tuer la concurrence et que le temps qu'on intervienne et qu'on corrige les choses avec le droit de la concurrence traditionnelle, en fait le mal est déjà fait et c'est très difficile à corriger derrière. Du coup, le DMA, en fait, il va créer des obligations qui vont s'appliquer par défaut à ces géants pour interdire ou rendre obligatoire certaines pratiques et garantir ainsi une concurrence saine et s'assurer que les consommateurs ne soient pas forcés d'utiliser uniquement ces services. Donc, pour vous parler de tout ça ce soir, j'ai deux députés européens avec moi, donc je vais vous les présenter très très rapidement. D'un côté, on va avoir Sandro Gozzi, il est député européen depuis 2019, il est italien mais il a été élu en France sur la liste Renaissance, donc il appartient aujourd'hui au groupe Renew, au Parlement européen, donc les centristes entre guillemets. Et il siège dans la commission du marché intérieur qui est en charge du DSA et du DMA. De l'autre, on va voir Emmanuel Morel, que nous avons déjà accueilli sur la chaîne pour une interview. Il est député européen depuis 2014, il appartient quant à lui au groupe The Left, donc à gauche, et il siège en commission des affaires juridiques qui a été aussi impliqué dans le DSA et le DMA, et il a aussi été très très actif sur ces deux sujets. Avant qu'on se lance dans le débat, bref rappel des règles, nos invités vont rester avec nous pendant à peu près 45 minutes, après quoi ils pourront partir et profiter du reste de leur soirée, et vous resterez avec moi pendant encore une petite demi-heure pour qu'on puisse faire un petit débrief et discuter de ce que vous avez pensé du débat, etc. etc. J'ai organisé le débat en plusieurs thèmes, DSA et DMA, et j'ai montré la discussion avec mes propres questions, mais si vous avez des réactions ou des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat, c'est là pour ça, et je piocherai dans vos suggestions. Sur ce, écoutez, on va se lancer dans le débat et je vais vous introduire mes invités. Bonsoir Monsieur Morel, bonsoir Monsieur Gozzi, merci à vous d'être avec nous ce soir. Donc vous m'avez entendu faire la petite introduction, ce soir on va parler de la régulation européenne du numérique. Donc sans plus attendre, je propose qu'on commence par notre premier thème de discussion qui est le DSA, donc la question de savoir si le règlement sur les services numériques va amener, comme on l'entend souvent, la fin du Far West numérique. Donc c'est, comme je l'ai expliqué, c'est une update d'une directive qui date de 2000 et qui définit les obligations des services en ligne qu'ils doivent respecter en toute occasion. Donc peut-être pour lancer la conversation, je vais m'adresser à vous, Monsieur Gozzi. Pourquoi, selon vous, l'Europe a besoin du DSA aujourd'hui? Elle a besoin du DSA pour plusieurs raisons. La première, c'est que deux siècles après, il fallait réglementer à nouveau. Et quand je dis deux siècles, je fais référence à la révolution numérique. 20 ans, c'est deux siècles dans le monde numérique. Et vous l'avez bien rappelé, la dernière grande régulation de certaines activités en ligne, c'était les règles sur les e-commerce, le commerce électronique, qui date de l'année 2000.
Et donc, il est clair qu'il y avait l'urgence de se mettre en phase deux siècles après avec la nouvelle réalité numérique. Et la dernière, oui. Alors, je continue comme ça. Après, je voudrais entendre aussi le point de vue de M. Morel après coup. Donc, allez-y avec votre deuxième raison. La deuxième raison, c'est que l'Europe aujourd'hui doit développer son modèle et son approche numérique de façon efficace et alternative au modèle qui existe dans le monde, qui est le modèle américain, qui est pratiquement le laisser-faire partout, laisser-faire et laisser-passer, et donc tout est confié finalement à la haute réglementation ou à la non-réglementation des grandes plateformes numériques, et le modèle chinois qui est dans le contrôle étatique. Et il fallait développer une voie européenne à la grande question du numérique du point de vue des citoyens, du point de vue des consommateurs, du point de vue des entreprises et du point de vue de toutes les activités qui se développent dans cette nouvelle dimension de notre vie qui n'est pas du tout virtuelle. Le numérique est très réel. Voilà. Et vous, M. Morel, pourquoi vous pensez qu'on a besoin du DSA? Parce que ça vient d'être dit à l'instant, on est face à une situation proprement extraordinaire, stupéfiante, où vous avez des grandes entreprises privées qui ont été extraordinairement novatrices, mais qui ont une emprise sur nos vies colossale. Aujourd'hui, le numérique est quasiment indispensable dans la plupart de nos existences, avec des grandes entreprises qu'on connaît, ce qu'on appelle les GAFAM. Or, le problème, c'est qu'il n'y a quasiment aucun contrôle citoyen, contrôle politique, sur ce que font ces grandes entreprises privées. Et il était devenu nécessaire de réguler, de réglementer à la fois pour les citoyens que nous sommes, parce qu'on doit être protégé, notre vie privée doit être protégée, nos libertés doivent être protégées, mais aussi pour les consommateurs, que sont les citoyens européens, qui doivent avoir accès à des services de qualité, à des produits qui ne sont pas contrefaits, qui ne sont pas illicites. Bref, il y avait un immense besoin de régulation. Et là où je rejoins M. Bozzi, c'est qu'il y a différents modèles en réalité. Le modèle américain qui vient d'être cité, le modèle chinois qui est peut-être le plus inquiétant parce que le numérique est mis au service du contrôle de la vie des gens, de la surveillance généralisée des gens. Et puis, il y a un modèle européen qu'on essaye d'inventer, je ne sais pas si on va y parvenir vraiment, mais qu'on essaye d'inventer, où il y a de la régulation, où il y a du contrôle citoyen, où il y a en réalité de la démocratie. Et pourquoi il y avait besoin de cette réglementation? Tout simplement parce que l'Europe n'avait pas légiféré sur le sujet depuis le tout début du XXIe siècle. La directive e-commerce est 2000. Donc, c'est en termes de développement numérique, en effet, c'est presque un siècle. Et donc, c'était absolument nécessaire de légiférer, de se relever les manches et de trouver les voies et les moyens pour contrôler un peu, parce que la réalité, on va en parler, c'est qu'on contrôle un peu ces grandes entreprises du numérique qui ont un contrôle colossal sur nos vies. Alors, dernière raison, c'est que l'Union européenne, c'est 27 pays, comme vous le savez, et il y avait une impérieuse nécessité d'harmoniser les législations, parce qu'on avait des législations qui étaient très différentes, et ça ne nous permettait pas d'avoir une réponse commune aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et alors, je vais rester avec vous, M. Morel. Comme j'expliquais un petit peu en introduction, ce qu'on entend dire partout à Bruxelles dès qu'on parle de DSA, c'est que c'est la fin du Far West numérique. Est-ce que c'est vraiment le DSA, c'est vraiment une telle révolution en termes de lutte contre les contenus illégaux, ou est-ce qu'en fait on aurait pu faire beaucoup plus que ça, ou beaucoup mieux en tout cas? Moi, je dirais pas que c'est la fin du Far West numérique. On va dire que c'est le début de la fin ou la fin du début. J'en sais rien. Il y a des pierres qui ont été posées. Il y a des choses importantes, on va en parler, qui ont été votées, mais en même temps, moi, je pense que c'est insuffisant sur un certain nombre de choses, à la fois sur la modération des contenus, surtout sur le délai de retrait des contenus illicites. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin sur la question, qui est une question qui me tient à cœur, parce que, comme vous le savez, on l'avait vu dans une précédente interview, je suis aussi dans la commission commerce international. Un des fléaux aujourd'hui pour nous, c'est ce qu'on appelle la contrefaçon. La contrefaçon, c'est
près de 435 000 emplois qui sont détruits parce que vous avez à l'autre bout du monde des usines, des entreprises qui copient nos produits, mais évidemment de mauvaise qualité. Or ça, sur les plateformes de e-commerce, c'est massif. Et ben moi, je trouve que par exemple, sur ce sujet particulier, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais il faut reconnaître, et je le reconnais bien volontiers, que le DSA, c'est une première étape. Donc encore une fois, ce n'est pas la fin du Far West, mais on a mis quelques shérifs. Mmh. Bah, c'est déjà ça. Et vous, Monsieur Gozy, qu'en pensez-vous de cette idée de la fin du Far West ? Bah moi, j'ai répondu la fin. Et sans doute, on a un nouveau shérif. A new sheriff in town, comme on dit en bon français. Et ce nouveau shérif, il est là pour protéger les citoyens, pour protéger nos droits fondamentaux et pour protéger nos droits en tant que consommateurs. Et il me semble quelque chose de déjà très important. Il y a un nouveau shérif qui va responsabiliser davantage les plateformes numériques. Il y a un nouveau shérif qui va éviter que les plateformes, dans leur disons, auto-réglementation, soit elles ignorent nos droits et nos prérogatives, soit elles appliquent leur politique de modération de façon totalement excessive. Bon, moi, je le rappelle comme un paradoxe, mais un réseau social qui serait enclin à décensurer l'origine du monde de Gustave Courbet, vous voyez, c'est des excès qui sont presque comiques, mais qui doivent nous inquiéter parce que comme on peut interdire une œuvre d'art, on peut interdire aussi d'autres aspects beaucoup plus importants, et parce que on ouvre les boîtes noires. On ouvre les boîtes noires, les algorithmes. Les algorithmes aujourd'hui, ce sont des boîtes noires. On ne sait pas comment ils fonctionnent. On n'a pas d'informations. Et avec les DSA, justement, il y aura beaucoup plus de transparence sur le fonctionnement des algorithmes. Il y aura un accès des chercheurs, des personnes, de la puissance publique, des autorités de réglementation au fonctionnement des algorithmes. Et donc, on va arrêter au moins une bonne partie des aberrations qui accompagnent aujourd'hui notre vie numérique, notamment pour ce que c'est le fonctionnement des algorithmes. Et il y a aussi des nouvelles responsabilités, même dans la modération. Par exemple, Twitter nous dit qu'il emploie presque 2000 modérateurs dans le monde. Mais on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas dans quelle langue ils travaillent. Donc, vous voyez, cet aspect de transparence, de pouvoir finalement rentrer à l'intérieur du fonctionnement des plateformes, des réseaux et des algorithmes, moi, je crois que c'est peut-être une des avancées les plus importantes et un des instruments les plus importants pour ce nouveau shérif. Après, évidemment, on peut aller plus loin. Il faut dire que si c'était très difficile déjà au Parlement européen de trouver un accord sur ce texte qui me semble une avancée considérable, il faut trouver maintenant un accord au Conseil et ce n'est pas facile parce que justement l'objectif d'avoir des règles communes pour un marché qui est le marché européen, ça veut dire travailler énormément pour gommer les différences entre les différents acteurs étatiques. Donc déjà, c'est pour cela que j'ai dit ces shérifs pourraient déjà faire un bon travail. Et vous, Monsieur Morais, Monsieur Gozy vient d'évoquer qu'il a fallu gommer des différences entre les institutions et même au sein du Parlement européen. Est-ce que vous pensez que le travail était bien fait ou il y a eu trop de choses qui ont été gommées ou pas assez ? Bah, déjà, je vais vous dire, la première urgence, c'était de résister aux assauts répétés des lobbies. Parce qu'il faut savoir que les GAFAM, puisqu'on parle d'elles, hein, mais pas seulement en réalité, hein, ont engagé des sommes colossales. Hein, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros pour essayer d'influer la législation, en tout cas de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop sévère pour leurs intérêts. Et il a fallu que les députés se battent contre ça. Ensuite, moi je crois pas, je pense pas qu'on va avoir du mal à trouver un terrain d'accord avec la Commission. Même en trilogue, je pense que les choses devraient se passer correctement. Ce que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Je vais y revenir, mais pour reprendre, il y a deux exemples de M. Gozy qui me paraissent
très pertinent pour illustrer la discussion. D'abord, en effet, face aux algorithmes, nous sommes nus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait rien des algorithmes, on ne sait pas comment ça fonctionne. Ce qu'on sait quand même, parce qu'il y a eu des révélations récemment. Par exemple, vous avez une lanceuse d'alerte, Frances Hogan, qui était une ancienne employée de Facebook, qui est venue ici au Parlement européen, qui nous a dit « les algorithmes de Facebook favorisent les contenus controversés ». C'est-à-dire, en gros, le clash, le trash, ça, c'est favorisé par l'algorithme. Ça, on le sait. Et donc, naturellement, sur un certain nombre de réseaux sociaux, ça va favoriser des contenus violents, radicaux. Ça, c'est un premier problème. Et à l'inverse, et c'est pour ça, je rebondis sur l'exemple de M. Gozzi, très intéressant. L'origine du monde. Tout le monde, je pense, voit à peu près de quoi il s'agit. C'est un corps de femme nue. C'est même un sexe de femme nue. Pourquoi il est censuré par Facebook? C'est parce que les créateurs de Facebook, c'est des anglo-saxons. Et ils ont, on va dire, une culture puritaine qui consiste à masquer dès qu'il y a un bout de téton qui dépasse. Et donc, on se retrouve dans une situation complètement abracadabrantesque où vous avez des corps nus de femmes dessinés par les plus grands peintres qui sont censurés par des réseaux sociaux. Mais à l'inverse, vous avez des contenus racistes, des contenus même aujourd'hui, enfin, qui étaient jusqu'à maintenant illicites, qui ne sont pas censurés. Et cette situation, elle nous paraissait complètement aberrante. C'est la raison pour laquelle on a essayé quand même de bien circonscrire ce qui était un contenu illicite, ce qui était une incitation à la haine, parce que ça, c'est très important. Je pense que finalement, ce qui est quand même vraiment un pas important dans le DSA, c'est qu'on sort du modèle traditionnel de contrôle a posteriori, où la commission tentait de sanctionner un GAFAM, mais une fois que le mal était fait. Or là, avec le DSA, on impose des obligations claires aux fournisseurs de services et on donne des moyens importants de le contrôler. Alors ça, ça peut être des outils, je ne sais pas s'il ne faut pas être technique, hein, mais la commission, elle peut inspecter les locaux de certains fournisseurs de services, elle peut même prendre des mesures provisoires avant même la fin de l'enquête. Il y a une obligation pour les fournisseurs de services de coopérer avec les autorités en cas de diffusion de contenu illicite, une obligation de signaler aux autorités nationales les infractions pénales. Bref, on en revient à ce que vous avez dit tout à l'heure et qui est finalement la seule chose qu'on doit retenir de ce débat, c'est ça, c'est tout ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne. Ça, c'est vraiment un principe fondamental. Et j'irai même plus loin. Or là, pour le coup, on n'a pas totalement fini le travail. Tout ce qui est sanctionné hors ligne doit être sanctionné en ligne. Et ça, parce qu'évidemment, il faut mettre fin au sentiment d'impunité que beaucoup de gens ressentent derrière leur écran. Et ça, c'est un problème. Bon, ça, on n'y est pas totalement parvenu, j'y reviendrai. Dernier point enfin, et j'en finis par là. Pour moi, le plus important, parce que quel est l'enjeu des prochaines années, des prochaines décennies? Bah, c'est la vie privée et les données personnelles. De quoi se nourrissent toutes ces grandes plateformes, tous ces grands fournisseurs de services? Qu'est-ce qui les enrichit? Quel est leur or numérique? C'est nos données personnelles. Nos données personnelles qu'on va vendre, qu'on va louer, dont on va se servir, qu'on va croiser pour faire du business. Et là, pour le coup, nous, on a le devoir de protéger les données personnelles des citoyens européens, des consommateurs européens. Là-dessus, on a pas mal avancé, notamment en interdisant la publicité ciblée pour les mineurs. Mais moi, je pense qu'on aurait dû aller plus loin. Moi, j'étais pour l'interdiction de toute la publicité ciblée. Ça n'a pas marché parce que, notamment, les groupes de droite n'ont pas voulu. J'espère qu'on va y revenir, mais c'est difficile. De la même façon, moi, j'étais même pour interdire le croisement des données opérées par certaines grandes plateformes. Et ça, on n'y est pas arrivé totalement non plus. Mais enfin, il faut retenir l'idée principale, tout ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, je reviens à M. Gozzi, alors que M. Morel vient de dire que les groupes de droite étaient opposés à l'idée d'interdire complètement la publicité en ligne, qu'il fallait éviter, empêcher les croisements de données. Vous-même, vous êtes d'accord avec M. Morel ou c'est une idée que vous opposez? Moi, je crois qu'il faut, il faut distinguer. On l'a interdit pour les mineurs, la publicité ciblée, on a très bien fait.
on peut aller plus loin sur les catégories, disons, vulnérables. Mais quand il s'agit de publicités à des fins strictement commerciaux, moi, je crois que pour le consommateur moyen, il est en mesure de décider s'il veut faire l'objet, être destinataire d'une publicité ciblée ou pas. Par contre, mais ça, c'est un sujet qui va au-delà du DSA, même si c'est, s'il est, disons, un développement du DSA. Là, on va travailler sur la publicité politique, ce qu'on appelle le political advertising. Et là, je crois que on devrait élargir le nombre de cas dans lesquels on interdit les profiling, les targeting, les ciblages, les techniques d'amplification. Donc, vous voyez, selon les domaines, j'aurai une approche graduelle. Là, on part des commerces et je crois qu'on doit protéger les catégories vulnérables, mais selon moi, pour les consommateurs moyens, c'est une opportunité qui doit être en mesure d'accepter ou pas. Il s'agit, je répète, des propagandes politiques, etc., qui est, disons, une loi spéciale par rapport à la loi générale du DSA. Le DSA, c'est un peu une loi générale, non? Maintenant, on va introduire des nouvelles lois spécifiques, spéciales, pour les domaines, dans certains domaines. Quand il s'agit des processus démocratiques, formation de l'opinion des citoyens électeurs, processus démocratique, je crois qu'on doit être beaucoup plus restrictif par rapport à certaines techniques de profilage, d'amplification, etc. Je restais brièvement avec vous, Monsieur Gozzi. Ça a été mentionné un petit peu par Monsieur Morel, vous êtes revenu un tout petit peu dessus aussi. C'est cette idée, voilà, le DSA s'occupe du contenu illégal, mais il ne s'occupe pas de ce qu'on appelle les contenus préjudiciables, qui ne sont pas nécessairement illégaux en tant que tels. On pense à la désinformation, on pense à la manipulation, ce genre de choses. Comment vous pensez qu'il faut traiter ces sujets-là, dans le cadre du DSA, en ayant en tête l'équilibre avec la question de la liberté d'expression? Écoutez, ce n'est pas tout à fait vrai qu'ils sont totalement exclus. Évidemment, je crois que la chose la plus importante, vous l'avez dit, M. Morel l'a dit aussi, et moi je suis d'accord avec vous deux, la chose la plus importante, c'est d'affirmer ces principes, qui est un principe fondamental, un principe fondateur sur lequel on doit bâtir une nouvelle politique de régulation numérique. Ce qui est illégal offline, ça doit hors ligne, ça doit devenir illégal en ligne. Ça, on est d'accord. Mais si vous regardez les obligations nouvelles qu'on a introduites pour les grandes plateformes numériques, si je m'abuse, c'est les articles 26 et 27 du DSA. Là, on introduit aussi des obligations de modération, une obligation de devoir faire rapport tous les 6 mois. On responsabilise du point de vue politique et aussi du point de vue juridique les grandes plateformes pour tout ce qui sont les risques systémiques. Risques systémiques à la sécurité, risques systémiques aux droits fondamentaux. On peut travailler davantage sur les termes et les conditions qui lient, c'est un peu les contrats qui lient chaque usager et les plateformes numériques. Donc, je crois qu'on peut développer une approche plus juste pour nous les citoyens, pour nous les consommateurs, mais je dirais pour nous les citoyens dans ces cas-là, hein, du moment où il s'agit des droits fondamentaux, et une approche équilibrée entre liberté d'expression et obligation de modération. Donc je dirais qu'il n'est pas sous-évalué, mais il faudra faire attention à la mise en œuvre de ces aspects, hein, et ne pas sous-évaluer les potentiels pour tout ce qui est au-delà de ce qui est illégal, les potentiels que ces nouvelles obligations face des préventions des risques systémiques et des, disons, corrections des risques systémiques qu'on va imposer aux grandes plateformes, je dirais de ne pas les sous-évaluer parce que d'après moi, ils ont une portée importante pour ce qui est fake news, désinformation, etc. Et moi, je crois que les buts qu'on doit poursuivre, c'est, là aussi, je le dis en bon français, freedom of speech is not freedom of reach. À savoir, la liberté d'expression, ce n'est pas le droit à la viralité. Et aujourd'hui, les modèles de business, les business models des plateformes, surtout des grandes plateformes, c'est de rendre viral tout ce qui est plus violent. Plus tu es violent, plus tu es viral. Et plus tu es viral, plus la grande plateforme gagne.
en termes de publicité, etc. Donc, nous devons essayer de trouver un bon équilibre. On ne doit pas risquer d'être accusé de vouloir censurer, mais de vouloir justement modérer de façon plus convenable des contenus qui ne sont pas illégaux, mais qui peuvent être endommageables, justement, et peuvent provoquer des risques systémiques si on continue avec ces techniques d'amplification, etc. Donc, je crois que là, il y a un potentiel énorme sur lequel il faudra que nous, les parlementaires européens, veillons du moment où cette nouvelle loi européenne sera mise en œuvre par la Commission et par les autorités nationales. Mmh. Monsieur Morel, avant qu'on passe au DMA, est-ce que vous avez une réaction à chaud ou pas ? Oui, parce que moi, je voudrais revenir sur la question de la publicité ciblée, même pour les consommateurs. Quand on réfléchit bien, nous tous, utilisateurs des réseaux sociaux ou d'autres plateformes, nous travaillons gratuitement pour les GAFAM. Nous travaillons gratuitement pour les GAFAM. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'aller sur n'importe quel site, vous laissez un certain nombre de traces, et toutes ces traces vont être utilisées et monétisées par les GAFAM, qui vont gagner de l'argent comme ça. Donc, on travaille gratuitement pour les GAFAM. Bah, moi, je suis désolé, mais je ne veux pas travailler gratuitement pour Mark Zuckerberg ou pour, je ne sais, ou pour Amazon. Donc, je considère qu'on est suffisamment aujourd'hui dans une société de marché, en bon français, in real life, pour ne pas l'être en plus in virtual life. Donc, là, vraiment, moi, j'insiste. Je pense qu'à un moment, il y a une confrontation. C'est différent ce qui est bon pour le public et ce qui est bon pour Facebook. Donc moi, je maintiens que sur la publicité ciblée, il y a un vrai débat à avoir, même pour les consommateurs. Après, c'est vrai, on a quand même mis des jalons. Hein. Vous avez l'interdiction de la publicité ciblée basée sur des données sensibles. Données sensibles, c'est en gros orientation politique, orientation sexuelle, le genre. Bon, ça, on parvient à un consensus. Mais je pense qu'il ne faut pas s'interdire de réfléchir plus loin pour ne pas être, encore une fois, dans le tout marché. Après, il y a un débat beaucoup plus sensible qui a été soulevé par mon collègue, c'est la question du marketing politique. Alors, on sait très bien, et on l'a vu avec la campagne sur le Brexit ou même la campagne de Trump, les révélations sur Cambridge Analytica, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une utilisation des réseaux sociaux pour faire l'opinion, pour influencer un vote. Et ça peut avoir une influence décisive. Mais en même temps, comme dirait un vieux dirigeant français, sur ce type de sujet, il faut vraiment légiférer la main tremblante. Parce qu'il n'y aurait rien de plus grave que de vouloir trop bien faire et d'attenter à la liberté d'expression, voire même de laisser à penser qu'il y aurait une pensée officielle, même des démocraties, et que tous les points de vue un peu dissidents ou divergents seraient nécessairement censurés. C'est très délicat comme question, parce qu'il y a ce qui tombe sous le coup de la loi. Le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. L'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, mais c'est un délit. Mais il y a d'autres sujets politiques qui sont quand même plus… on est plus border, là aussi en bon français, où il faut faire très attention. Je vais vous donner un exemple d'actualité qui est un peu glissant. J'espère que vos spectateurs ne vont pas réagir mal, mais prenons le cas aujourd'hui de ce qui se passe en Ukraine. On est tous scandalisés par l'invasion russe. On est la plupart au Parlement européen favorable à ce qu'il y ait une riposte très dure de l'Union européenne face au pouvoir de Poutine. Est-ce qu'il faut pour autant interdire, censurer des points de vue qui seraient complètement divergents des nôtres, complètement orthogonaux? Ça, c'est quand même une question où il faut faire attention. De la même façon, moi, je me souviens, là aussi, c'est pas du tout… là aussi, je marche sur des œufs. Mais vous vous souvenez qu'à un moment, Twitter a fermé le compte de Trump sous prétexte qu'il était le roi de la désinformation, ce qui est vrai, le roi du clash, le roi du trash. Tout ça est vrai, mais est-ce qu'à un moment… il n'y a pas un effet contraire à ce qui est recherché, c'est-à-dire exacerber encore plus le ressentiment et la colère des partisans de Trump. Moi, c'est pour ça que je dis,
c'est vraiment un sujet où il faut faire attention. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut réguler, qu'il faut, et ça a d'ailleurs été fait en France, hein, je crois que c'est la loi Avia, sur tout ce qui est contenu haineux. Ça, c'est bien sûr. Mais pour ce qui concerne le débat politique, il faut être vachement, faut être très prudent. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à réfléchir. Je suggère qu'on fasse un nouveau débat sur la... Ah, ça, là-dessus. Effectivement. Parce que c'est tout à fait pertinent ce qu'Emmanuel Morel a dit. Hein. C'est un sujet énorme. Mais je crois que ça demande un approfondissement. Moi, je crois que quand on est sur les réseaux sociaux, on a le droit de savoir si un post, ça fait partie d'une campagne qui a été financée avec des millions de dollars par quelqu'un, par un acteur extra-européen qui me pose, qui me présente un thème des sociétés. Il le présente comme si c'était le fruit d'une réflexion scientifique et finalement, ça fait partie d'une action politique de propagande légitime. Mais moi, je dois savoir exactement qui est derrière, combien d'argent il a mis, qui fait cette action de propagande et pour quel but. Donc, il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit tout d'abord de rendre beaucoup plus transparent et de ne pas présenter comme opinion scientifique, académique, comme je ne sais pas quoi, qui est une action coordonnée politique. Et après, je dis, oui, c'est délicat, mais attention, d'après moi, certaines techniques des ciblages et des amplifications, quand il s'agit des processus électoraux, des processus démocratiques, il demande une nouvelle réglementation. Il faut évaluer si certaines techniques ne devraient pas être interdites, mais sans doute beaucoup plus de transparence, parce que nous devons savoir si les techniques, les initiatives, les actions qui nous ciblent du moment où on doit nous faire une opinion pour participer et exercer notre droit, le principal, fondamental, qui est le droit de choisir dans un processus démocratique. Donc, mais je crois que c'est un thème énorme. Oui. Et on doit répondre à des questions comme Cambridge Analytica. Hein. Et la tentative que nous allons faire, c'est répondre à ça. Et ça demande peut-être une autre soirée avec demain par système. Avec plaisir, effectivement, c'est un sujet passionnant, mais qui demanderait sa soirée effectivement spécifique. Et du coup, je vais sauter sur l'occasion en fait pour passer au thème suivant, parce que effectivement, DSA, il y a plein de choses dedans. On a juste commencé à tirer un tout petit peu sur le fil. Hein, on pourrait passer des heures entières à en discuter. Mais je voudrais aussi parler un petit peu du DMA, donc qui est le pendant plus marché, concurrence, etc., etc. Un des grands débats sur le DMA, c'est son champ d'application. C'est à quelle entreprise il doit s'appliquer. Le DMA, de base dans la commission, il est conçu pour s'adresser à un nombre relativement limité de plateformes, les services les plus grands, les plus importants. Il faut que ça représente en gros 10%, faut qu'il y ait un nombre d'utilisateurs européens d'équivalent à 10% de la population européenne, donc 45 millions de personnes. Donc déjà, ça limite. Le Parlement européen, dans sa position qu'il a adoptée en décembre, a restreint encore plus, ou a augmenté encore plus les conditions pour qu'un service tombe dedans. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec, en fait, quasiment que les GAFA et Booking qui sont dans le DMA. Est-ce que, alors je vais m'adresser à Monsieur Morel d'abord, est-ce que vous pensez que c'était justifié de restreindre encore davantage le champ d'application du DMA ou pas? Ah non, non, non. Moi, je ne suis pas content de ce qui s'est passé. parce qu'il y avait une proposition de la Commission qui était de placer le seuil du chiffre d'affaires des plateformes concernées par le DMA à 6,5 milliards d'euros, ce qui est déjà colossal. Et ça permettait notamment de faire rentrer dans le champ d'application une plateforme comme Alibaba, qui est l'équivalent chinois de Amazon, en quelque sorte, et qui est, Alibaba, c'est le champion du monde de la contrefaçon. Champion du monde mondial. Or, il se trouve que le Parlement a préféré changer ce seuil et le monter à 8 milliards. Moi, je n'étais pas du tout content. Je vais rien dire sur mes collègues qui l'ont fait, mais je trouve quand même que c'est une faute politique. Hein. Et surtout, j'espère que le point va être changé dans les négociations à venir, parce que c'était quoi le DMA? Le DMA, il partait d'un principe, c'est que le e-commerce a explosé ces dernières années. Hein, et surtout, évidemment, avec la crise du Covid, je cherche le chiffre, mais je crois que le chiffre d'affaires pour le e-commerce en 2021, c'est plus de 100 milliards. Hein, c'est, ça,
112 milliards d'euros. C'est une augmentation colossale. Et évidemment, comme n'importe quel secteur, il faut quand même régler un minimum le mode de fonctionnement du marché, parce que sinon on est face à des quasi-monopoles, en l'occurrence des quasi-monopoles privés, qui sont fournisseurs de services essentiels et qui profitent de leur situation pour fausser la concurrence et écraser les petites plateformes ou toutes les structures un peu plus modestes qui chercheraient à se faire une place sur le marché. Donc là, il y avait quand même quelque chose d'important à faire. Et donc moi, je regrette. Alors, faut reconnaître qu'on est arrivé à faire rentrer dans le scope des entreprises qui n'y étaient pas au départ, mais on en a perdu un peu avec cette histoire du relèvement du seuil du chiffre d'affaires. Donc je suis pas content là-dessus et j'espère que au moment de la discussion et des trilogues, on va arriver à revenir à quelque chose d'un peu plus légitime. Et vous, Monsieur Gauzy, qu'en pensez-vous de cette question de la réduction du champ d'application? Oui, non, mais c'était un des points sur lesquels on a dû chercher un compromis sur ce seuil quantitatif. Et on a restreint du point de vue quantitatif l'application, la portée du règlement. Il faut dire qu'il y a aussi des critères qualitatifs qui nous permettent un peu de suivre les processus et de voir, disons, si des plateformes sont en train de s'approcher à la qualification des gatekeepers, là encore, comme on dit en bon français. Et donc, le compromis, c'était d'un côté accepter ces seuils un peu plus élevés par rapport à la proposition de la Commission, et de l'autre côté, travailler sur ces détails qualitatifs qui nous permet un peu de suivre un peu les schémas, les parcours des gatekeepers potentiels, si vous voulez. Après, il faut voir un peu au Conseil si on arrive à revenir à la proposition de la Commission ou pas. Mais voilà, il faut mettre sur la balance d'un côté les seuils quantitatifs, de l'autre côté la possibilité quand même d'évaluer à la lumière de toute une autre série de critères si d'autres acteurs s'approchent de cette notion et donc ils sont progressivement obligés à assumer des nouvelles obligations. Mais sans doute, c'était un point délicat des compromis à l'intérieur du Parlement européen. Et toujours avec vous, Monsieur Gauzy, on a parlé un petit peu de quel gatekeeper allait rentrer dedans, mais en termes d'obligations, quelles sont pour vous les obligations les plus importantes dans le DMA qui s'applique à ces gatekeepers? Tout d'abord, le fait que on applique ce qu'on appelle l'approche ex ante. Dès le départ, on demande aux plateformes d'assumer toute une série d'obligations et de s'adapter à toute une série de nouvelles prescriptions si elles rentrent dans certaines notions. Je crois que ça, c'est peut-être, disons, de façon horizontale, c'est l'approche du DMA qui est une approche fondamentale. Après, il y a toute une série d'améliorations. Il y a la possibilité pour les entreprises qui utilisent ces plateformes, la possibilité d'avoir accès aux données relatives à leurs clients, à leurs activités, aux campagnes de publicité effectuées sur les plateformes. Aujourd'hui, vous êtes une petite entreprise et vous commencez à faire une campagne pour promouvoir votre produit. Vous n'avez pas accès aux données de vos clients. C'est les plateformes numériques qui ont un monopole là-dessus total. Et la possibilité pour les utilisateurs de d'installer des applications et services par défaut. Vous savez qu'aujourd'hui, on est lié, une fois qu'on est sur une plateforme, on est lié à toute une série de services et même des produits offerts par cette plateforme. Il n'y a pas de pluralisme. Il n'y a pas de pluralisme et ça, c'est une restriction de nos droits en tant que consommateurs, mais c'est aussi une restriction des possibilités de développer des nouvelles entreprises, des startups, un véritable marché pluriel et européen. Et il y a la mise en place des dispositifs pour alerter les autorités compétentes sur des éventuelles infractions commises. Nous sommes tous un peu des contrôleurs. Et de ce point de vue, je crois que ça aussi, c'est un aspect important. Il y a un accès aux meilleures options disponibles et non uniquement à celles déterminées par les contrôleurs d'accès. Aujourd'hui, si une plateforme ne gère pas seulement la plateforme, mais offre aussi des services qui sont en concurrence avec les services offerts par d'autres entreprises sur la même plateforme, vous savez, quand vous cherchez, les moteurs de recherche font en sorte que vous tombez toujours sur les services offerts par la plateforme elle-même. Pensez à la question du système de paiement Apple Pay ou Google Pay. Il est clair qu'il faut assurer
beaucoup plus de pluralisme et on met des restrictions à la pratique qu'on appelle la pratique des acquisitions prédatrices, qui sont un des instruments principaux pour la concentration des marchés. Parce que finalement, on est dans une situation d'oligopole en ce moment. Mmh. Et monsieur, non mais bien sûr. Et monsieur Morel, vous toujours sur la question des obligations. Donc on a entendu monsieur Gozzi expliquer ce qui est déjà dans le texte. Est-ce que pour vous c'est suffisant ou est-ce qu'il manque des choses? Disons que là aussi il y a un pas qui a été franchi. Parce que quel est le problème des, alors on va dire, c'est pas gatekeeper, disons contrôleur d'accès, puisque oui. Je crois que c'est l'expression française, effectivement. Autant respecter un tout petit peu notre langue qui hélas. A des difficultés à se faire une place aujourd'hui au Parlement et même dans les institutions européennes. Vous savez que j'interviens toujours en français. Mais oui, mais bien sûr, je ne parlais pas de vous, cher Sandro Gozzi. Quel est le problème? C'est les pratiques déloyales. Il y en a aujourd'hui des exemples totalement ahurissants. Je vais vous donner un exemple. On vient d'apprendre, j'ai d'ailleurs interrogé la Commission à ce sujet, que Amazon Inde copie le catalogue produit des vendeurs qui utilisent sa place de marché pour proposer les mêmes produits et vendre en fait des contrefaçons à prix cassé. Vous voyez, c'est-à-dire que comme Amazon a le quasi monopole du contrôle d'accès, elle se permet ce type de choses. Donc je pense que la commission va réagir assez vite, mais plus largement, pour moi, ce qui était le plus important dans le DMA, c'était sanctionner sur les marchés en ligne tout ce qui n'était pas conforme. Parce que vous savez quand même que le taux de non-conformité vendu sur les plateformes de type Amazon, Alibaba, Wish, c'est 95%. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est que des contenus dangereux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conformes par rapport à la législation européenne. Donc ça, à la fois, il faut lutter contre les pratiques déloyales et il faut faire attention à la contrefaçon dont je parlais tout à l'heure. On a un peu avancé là-dessus, mais je pense que ça ne va pas assez loin. Moi, j'avais déposé plusieurs amendements, notamment pour l'identification des vendeurs sur les places de marché, avec une obligation de divulgation et de vérification des identités des vendeurs. La mention de la traçabilité, elle a été ajoutée dans les considérants, mais elle n'a pas été ajoutée dans le texte, enfin dans les articles. C'est un peu technique, mais ça change quand même beaucoup de choses. Et là, pour le coup, je trouve qu'on n'est pas allé assez loin. Je pense que les produits dangereux ou illégaux, comme les contrefaçons, elles ne devraient pas rester en ligne. Et quand on recommence un mois après, ça devrait être retiré automatiquement. Aujourd'hui, on est au milieu du guet. Mais globalement, le DMA, c'est un débat intéressant parce qu'il nous a permis de prendre conscience à quel point, si j'allais dire, tous ceux qui se revendiquent de l'idéologie libérale, du marché sans entrave, en réalité avaient mis en place un système de monopole, ou d'oligopole, on va dire. Et que ça... ça allait à l'encontre de l'idée que nous, Européens, on se faisait du marché numérique, du commerce en ligne, sachant que, là encore, ce qui nous importe, le DSA, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'intérêt des citoyens. Le DMA, c'est vraiment l'intérêt aussi des consommateurs, c'est qu'ils soient capables de se procurer à juste prix des produits de bonne qualité, qu'ils ne soient pas contrefaits. Ce n'est pas totalement réglé. Je vais vous donner un autre exemple, moi, qui m'a toujours stupéfait, c'est la question de l'interopérabilité. Bon, c'est un sujet technique, mais en gros, j'essaye de faire simple. Vous achetez un livre numérique sur Amazon, mais vous ne pouvez pas le lire sur une liseuse Kindle parce que ce n'est pas compatible. Et on vous dit, si vous voulez lire votre livre, il faut vous procurer la liseuse adéquate. Là, il y a un problème quand même, et on n'est pas allé assez loin sur l'interopérabilité des biens numériques. Donc bon, encore une fois, DMA, c'est un processus intéressant, mais de toute façon, il faudra aller plus loin, à commencer, je reviens par le sujet du début, par le scope, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui sont contrôlées dans le cadre de ce règlement. Alors, j'ai l'ultime question. J'ai ultime question pour vous, parce que je vois le temps qui passe et je sais que vous devez bientôt partir. Alors, très rapide, DSA, DMA, régulation numérique, se pose la question du thème de la souveraineté européenne. Est-ce que vous pensez que c'est la régulation européenne numérique participe à cette souveraineté et pourquoi? Monsieur Gozzi.
Absolument, oui. Absolument. C'est d'ailleurs une bonne façon de montrer l'Europe souveraine parce que c'est le seul niveau possible pour nous, les Européens, de reprendre contrôle sur un monde qui nous échappe et sur des géants qui échappent finalement à une bonne partie des lois nationales. Si en absence d'une approche intégrée, uniforme, européenne sur ces questions des fonds, on sera totalement dépendant des décisions des géants du numérique. Donc, s'il y a un domaine dans lequel l'Europe souveraine est bien compréhensible, l'Europe qui nous permet de reprendre les contrôles sur des questions transnationales qui échappent à une capacité de réglementation et de contrôle national, c'est bien le numérique. Le niveau européen, c'est le seul niveau minimum possible pour garantir nos droits et protéger notre droit en tant que consommateur, protéger nos droits fondamentaux et lutter contre les comportements prédateurs des GAFAM, et lutter contre les pratiques inéquitables et surtout travailler pour un véritable pluralisme des marchés, donc pour casser ces oligopoles. Donc je crois qu'absolument, ça fait partie de l'Europe souveraine et c'est un enjeu des souverainetés. Et je vais à plus loin. Je crois que c'est, après deux siècles, on a commencé à prendre des décisions. Il faut avoir la détermination, la volonté politique pour proposer ces modèles européens au reste du monde. C'est ça l'ambition que nous devons avoir. Monsieur Morel. Ce qui est sûr, en tout cas, ça vient d'être dit, c'est que c'est un problème qui doit être réglé au moins au niveau européen. On ne va pas commencer chacun dans nos pays, dans nos 27 pays, à imaginer des législations qui seraient de toute façon déjà obsolètes au moment où elles seraient mises en place. La question de la souveraineté numérique, c'est totalement fondamental, mais la première chose, c'est que ça demande, au-delà de la régulation, ça demande des investissements colossaux. Je sais que le président de la République française avait fixé un objectif, je ne sais plus combien c'était 10 entreprises à plus de 100 milliards d'euros en 2030. On en est très loin. Et ça veut dire qu'il va falloir investir et faire en sorte que l'investissement, ça ne soit pas seulement pour les entreprises privées, mais aussi pour la recherche publique. Parce que quand on voit les sujets auxquels on va être confronté dans la décennie qui vient, la blockchain, la question des crypto-monnaies, et de tout ce qui va avec. L'intelligence artificielle, moi je fais partie de la commission spéciale intelligence artificielle, c'est totalement vertigineux. On est quasiment dans la perspective d'une révolution anthropologique. La cybersécurité, et tout ça avec l'objectif de la protection des données, vous voyez bien que là on a des sujets qui sont tellement colossaux que ça suppose des investissements à la hauteur, à la hauteur du défi qui nous est posé. Et donc, on sera, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas souverain, hein, ça c'est clair, on n'est pas souverain, on dépend des grosses entreprises américaines et aussi un peu des chinoises, quoi. Donc, la seule façon, c'est d'investir toujours, tout en gardant, et ça, c'est le plus difficile, parce que je vois bien le débat qu'on a avec certains collègues, le plus difficile, c'est tout en gardant nos valeurs européennes. Quand vous êtes confronté à un débat, ça a été mon cas il y a quelques semaines, sur la surveillance, hein, c'est-à-dire le contrôle, la lecture faciale des gens, là, pour le coup, est-ce que ça ne va pas en contradiction avec les valeurs européennes? Ça, c'est un sacré sujet. Et ça, on doit mettre le débat au niveau citoyen. Je pense qu'aujourd'hui, c'est normal, hein, il y a d'autres thèmes plus urgents, mais c'est quand même quelque chose qui devrait faire l'objet d'un grand débat citoyen, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour l'Europe numérique, comment on envisage nos vies, nos existences, et comment on fait en sorte de les préserver, de préserver la vie privée, de préserver un certain nombre de libertés fondamentales, c'est un sacré sujet. Et pour le coup, je trouve que les parlementaires européens, ils font le travail, mais ça demandera de toute façon un débat public d'une très vaste ampleur. Emmanuel Morel, Sandro Gozzi, merci beaucoup pour votre temps ce soir. Merci. À très bientôt. Chat, soyez sûr de les remercier et restez avec moi, on va commencer un débriefing. À très bientôt, monsieur Morel. Au revoir. Au revoir. Alors, hop, je lance le
la discussion. Je vais faire mes zooms. Voilà, voilà. Un message. Hop, j'éteins tout ça. Ok, dites-moi ce que vous en avez pensé du débat. En attendant, je reprends mes notes et on discutera de tout en détail. D'ailleurs, attendez, je vais même passer sur mon browser. Oh, comme ça, j'ai des trucs à vous montrer. Des trucs intéressants. Ok. Alors, j'ai pris mes notes. Donc, DSA DMA, gros sujet pour moins d'une heure. C'était ambitieux, mais au moins, ça permet de parler de quelques grands thèmes. Donc, on a parlé, on a parlé en introduction, on a fini un peu sur ça. Donc, c'était un peu le fil rouge. C'est la question de la souveraineté européenne, la question du modèle européen du numérique. En introduction, ils ont bien mentionné tous les deux que, voilà, en fait, il y a la question derrière la régulation européenne du numérique, c'est de créer un modèle européen face à un modèle européen, enfin c'est un modèle américain et un modèle chinois. Donc le modèle américain étant basé plus sur la liberté complète du marché et le modèle chinois étant basé sur un contrôle absolu de l'État. Et donc l'idée c'est que l'approche européenne, le modèle européen, bah, serait une espèce d'entre-deux ou en gros qui serait centré sur le citoyen. Ça c'est un thème qui revient assez souvent quand on parle de régulation du numérique. Et d'ailleurs, la régulation numérique, c'est un sujet, je l'ai mentionné en introduction, où l'Europe est en fait assez leader, en fait, hein, faut dire les choses, depuis le règlement sur la protection des données, hein, puisque les Américains, par exemple, n'ont toujours pas de réglementation sur les données personnelles au niveau fédéral, hein, et ce qu'on a observé, c'est que l'Europe, elle ouvre la voie, et derrière, bah, un certain nombre de pays ont pris le droit européen comme un modèle. Et donc, ce qu'on voit dans plusieurs pays du monde, c'est bah, en fait, ils copient-collent plus ou moins, ou du moins, on voit clairement l'inspiration qu'ils prennent dans leur législation nationale sur la législation européenne. Et donc, du coup, il y a cette idée que l'Europe, en fait, monte le chemin au reste du monde et qu'en fait, elle devient le standard, elle définit les standards en matière de régulation du numérique. Derrière, on a parlé, on va commencer un peu par couvrir le DSA qui nous a occupé pas mal. Donc ce que M. Morel lui était assez remonté sur, c'était la question des contenus illégaux, des contenus contrefaits, hein, ça c'est un sujet sur lequel il travaille beaucoup en commission des affaires juridiques, c'est un de ses grands sujets, et donc lui il trouvait que le DSA était un peu décevant, ou du moins il n'allait pas assez loin en matière de délai pour retirer les contenus illégaux et s'assurer qu'ils ne reviennent pas en ligne. Il s'est aussi un peu alarmé ou du moins inquiété de la question des lobbies. Hein. Les lobbies à Bruxelles, c'est on va dire la pratique normale. Hein. C'est des lobbies, il y en a partout. Les lobbies, c'est pas que les GAFA, c'est aussi les ONG, c'est n'importe qui en fait, hein. N'importe quelle organisation, c'est qui fait du qui fait de l'art, qui va défendre ses intérêts auprès d'institutions européennes, bah c'est ce qu'on appelle un lobby. Et donc il a notamment mentionné la question des lobbies des GAFA qui bah, mettent le paquet sur le DSA LDMA parce que bah, y a un intérêt direct pour eux. Ça m'amène un peu au document là que vous voyez ici, là, le truc que j'ai. C'est ce que je voulais montrer, c'est comme je vous l'ai expliqué, le DSA LDMA c'est actuellement en négociation. C'est pas encore la loi complète. C'est actuellement ce qu'on appelle les trilogues. Les trilogues, c'est en gros le stade ultime de la préparation d'une loi européenne. C'est en gros, vous allez avoir dans une même salle la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil, donc les États membres. Ils vont chacun avec sa propre version d'un texte et ils doivent à la fin négocier et arriver à un seul texte. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran là, c'est ce qu'on appelle les documents 4 colonnes. C'est le Saint Graal des négociations législatives où en gros, voilà, vous voyez que. Donc là, vous voyez pas le chiffre, mais en gros, là, c'est le DSA. Avec la version de la Commission, la version du Parlement et la version du Conseil. Et ça, c'est en gros, entre guillemets, c'est le texte commun sur lequel ils doivent s'entendre. Et là, dans ce document, il y a 535 pages, hein, donc de documents. Et le but du jeu, c'est que vous voyez les couleurs vert, rouge et orange. Le but du jeu, c'est que les 535 pages, à la fin, elles soient entièrement vertes. C'est-à-dire que les trois institutions s'accordent sur le même texte à la fin, même si chacune avait une approche différente et des priorités différentes dans le texte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les trilogues. Et donc ce document en quatre colonnes, c'est le Saint Graal, puisque c'est le document de négociation, hein, en fait. Clairement, ça, c'est un document qui a leaké dans la presse il y a
15 jours, 3 semaines. Donc vous voyez, c'est là que ça permet de suivre en fait l'évolution. Ça permet de visualiser d'une part où les versions, les textes du Parlement, les textes du Conseil et les textes de la Commission sont différents, et de voir bah, un peu aussi quelles sont, où est-ce que les lignes bougent. En gros, bah, voilà, le compromis, est-ce qu'il tend plus vers le texte du Parlement, est-ce qu'il tend plus vers le texte du Conseil, est-ce qu'il tend plus vers le texte de la Commission. Donc c'était juste, je vous montrais juste ça pour la curiosité, c'est un document important, mais dont on ne connaît pas souvent l'existence. Alors, je reviens un petit peu à mon... Hop, au début, pas de raison que je vous montre les trucs des accords. De quoi on a parlé sinon? Il a mentionné, M. Morel, ce qu'on appelle... Alors, c'était Facebook Paper, je crois. Oui, Facebook Leak, enfin bref, un truc, je crois que c'est les Facebook Papers, où en gros, il y a une lanceuse d'alerte de Facebook qui, il y a quelques mois, a révélé tout un tas de documents internes et sur les pratiques de Facebook, enfin, de méta, ce qui est devenu méta, hein, soit sur Facebook et sur Instagram, en matière d'algorithmes, de modération des contenus, etc. etc. Et en gros, ce que ces révélations ont montré, c'est ça a confirmé quelque chose qu'on savait, qu'on se doutait de manière assez forte, mais là ça a été la preuve, c'est que les algorithmes de Facebook et d'Instagram favorisent les contenus controversés, c'est-à-dire en gros ils favorisent le clash. Pourquoi? Parce que clash ça fait de la viralité, ça fait du partage, et donc du coup les algorithmes de Facebook encouragent ces types de contenus, et donc de facto le consommateur qui veut voir ses contenus partagés, d'une part il va être incité à faire des contenus clash, et lui-même ne va voir que va voir plutôt des contenus clash dans sa timeline. Du coup, ça favorise une division de la société, une forme de radicalisation de la société. Donc évidemment, ça a été extrêmement controversé. Madame Hogan, elle est venue faire une audition au Parlement européen, justement dans le cadre des discussions sur le DSA, pour expliquer un peu, bah voilà, okay, comment ça se passe à Facebook et qu'est-ce que l'Union européenne pourrait faire en la matière. Et à l'époque, elle avait beaucoup parlé de la question de la transparence des algorithmes et entre guillemets le fait qu'il ne fallait pas que les plateformes comme Facebook et les autres gardent la boîte noire absolue sur ce que les algorithmes font et sur le fait que ils ne font pas assez en matière de modération. Dans le sens où on sait par exemple que à Facebook, ils ont énormément de modérateurs, hein, des gens qu'ils emploient pour faire de la modération, mais en fait une grande partie de ces modérateurs traitent du contenu en anglais, mais beaucoup moins des contenus dans les autres langues, en français, en allemand, en tchèque, en ce que vous voulez. Il y a beaucoup moins de modérateurs, et donc du coup, bah, il y a beaucoup plus de contenus haineux, illégaux, qui sont sur ces versions linguistiques de Facebook, parce qu'il y a moins de modérateurs pour les gérer. Que dire d'autre? Ah oui, là, on a un sujet aussi qui a été mentionné, c'est la question de la vision européenne de la liberté d'expression par rapport à la vision américaine. Donc, notamment, ils ont parlé de cette peinture de l'origine du monde, où effectivement on voit c'est une peinture d'un sexe féminin, et ça avait été bloqué par Facebook, par les algorithmes de Facebook, parce que bah, ils avaient reconnu un sexe féminin, et dans la vision américaine de puritaine de liberté d'expression, bah, ça c'est pas possible, en gros. Et ça avait créé un certain débat sur justement bah, le fait que ces plateformes, même si elles opèrent à un niveau mondial, elles opèrent à un niveau mondial, mais avec des standards à l'américaine. Ce qui fait que, bah, dans certains cas, ça favorise une plus de violence, entre guillemets. Je veux dire, il y a une tolérance à la violence qui est plus importante dans la société américaine, dans la conception américaine de la liberté d'expression, et à l'opposé, une vision extrêmement puritaine, par exemple, des questions de sexualité, qui font que, bah, alors que c'est complètement acceptable d'un point de vue européen, je veux dire, le fait qu'il y ait un téton quelque part sur une photo, pour un européen, on s'en fout, quoi. Je veux dire, on s'en fout réellement, ça ne choque personne. Aux États-Unis, alors là, par contre, c'est la ligne rouge, c'est pas possible, et donc du coup, on se retrouve à avoir les contenus qui sont bloqués à cause de ça, à cause de cette vision américano-centrée de la liberté d'expression. Et du coup, un des enjeux dans la régulation européenne du numérique, c'est justement bah, de faire en sorte que. On ne vive pas sous une vision américaine du monde, mais que les Européens vivent avec une vision européenne du monde. Notamment en termes de valeurs, qui ne sont pas. Qui peuvent être compatibles avec la vision américaine, mais qui ne le sont pas toujours. Ou du moins qui sont différentes. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon papier? N'hésitez pas à réagir, hein, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Tout ce qui est sanctionné en ligne doit aller en ligne, ça c'était M. Morel qui l'a dit. Bon, j'ai pas grand chose de plus
expliqué. Le fait que les business models sont basés sur la viralité, c'est ce qu'on a expliqué avec les Facebook Papers. Alors, Denis, il a fait une petite confusion, M. Morel. Il a parlé dans le cadre du DMA, de ce qu'on appelle le Know Your Business Customer, donc le KYBC, comme on dit en bon bruxellois, qui est la règle selon laquelle un service en ligne, quand quelqu'un veut l'utiliser, notamment à des fins commerciales, il faut que son identité puisse être vérifiée. Je vous donne un exemple. L'idée, c'est que quand vous avez un service illégal notamment, qui va s'adresser à un service d'hébergement pour louer des serveurs ou un service de paiement pour pouvoir générer des profits, il y a un moyen de vérifier qui est derrière ce service. En gros, éviter la situation actuelle où en gros, vous avez les gens qui s'enregistrent en disant qu'ils s'appellent Mickey Mouse et qu'ils habitent au palais de Buckingham. Évidemment, c'est un exemple caricatural, mais qui est réel. Et donc du coup, ce qui est WebEC, c'est une idée que voilà, en gros, il faudrait que ces services légaux aient une obligation de faire le minimum pour identifier les gens avec qui ils font du business, pour justement lutter contre les contenus illégaux. Et donc, monsieur Morel, lui, considérait que le champ d'application actuel, qui est restreint en fait aux services marchands, enfin, aux plateformes marchandes, pensez à Amazon, lui, il aurait souhaité que ça soit plus large que ça. Et il aurait aussi souhaité qu'il y a ce qu'on appelle un principe de stay down, qui est l'idée que quand on vous retire un contenu illégal, vous repérez un contenu illégal, vous le notifiez, le contenu illégal est retiré, et ben ce contenu illégal ne devrait pas pouvoir être retéléchargé à nouveau. Puisqu'aujourd'hui, quand vous faites ce qu'on appelle une notification, vous retirez un contenu illégal, vous pouvez le remettre, 5 minutes plus tard, il revient en ligne, vous devez recommencer de zéro. Et donc du coup, c'est un jeu permanent du chat et à la souris. Et vous imaginez tout ça à l'échelle du numérique où c'est des milliards et des milliards et des milliards de contenus ajoutés chaque seconde. J'ai un article assez intéressant que je vous mets dans le chat. C'est un autre truc que M. Morel a mentionné. C'était sur les pratiques, cette fois sur le DMA, les pratiques d'Amazon qui en fait copie les produits de ses concurrents et fait un équivalent. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes un... admettons vous êtes un vendeur, vous allez sur Amazon, vous vendez des t-shirts, Amazon copierait vos t-shirts pour faire ensuite son propre t-shirt sous l'étiquette Amazon et en gros dont il se servirait pour vous virer du marché en fait. J'ai mis ça dans le mauvais truc, bref, peu importe. Donc l'article est assez intéressant, donc n'hésitez pas à le lire. Quoi d'autre vous dire sur Amazon, sur le DMA, il a mentionné la question de l'interopérabilité en parlant des e-books. Donc effectivement, le fait que si vous achetez un e-book sur Amazon, vous devez avoir un Kindle, et que vous ne pouvez pas aller... Vous pouvez pas, enfin, un e-book que vous achetez sur Amazon ne pourra être lisible que sur Kindle. Et à l'opposé, si vous avez des e-books qui sont normalement interopérables, vous pouvez utiliser sur n'importe quelle liseuse, mais vous ne pouvez pas lire sur une Kindle. Pourquoi ? Parce que Amazon crée un écosystème fermé où en gros, pas pour des raisons techniques, pour des raisons commerciales, où en fait son intérêt c'est de vous forcer à acheter une Kindle et de vous enfermer dans le Kindle, que vous n'ayez pas le choix que d'utiliser une Kindle et donc d'acheter sur Amazon vos e-books. Parce que si vous cherchez à acheter vos e-books sur un autre service, vous ne pouvez pas les lire sur votre Kindle et vice-versa. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité des contenus où M. Morel estimait qu'on n'allait pas assez loin. Je regarde vite fait, moi, si j'ai fait le tour de mes trucs. Le champ d'application du DMA, il y a un gros débat sur combien de services doit tomber dedans, puisqu'aujourd'hui, à cause du niveau des seuils très élevés qui doit être suivi pour pouvoir tomber dans le DMA, je l'ai mentionné, un des critères par exemple c'est qu'il faut qu'un service ait un nombre d'utilisateurs mensuels de 45 millions d'utilisateurs, donc 10% de la population européenne, donc de facto ça éjecte pas mal de gens, pas mal de services de tout ça, et donc il y a un débat sur est-ce que c'est pas trop élevé, et il y a aussi un débat dans le sens où les Américains, par exemple, sont très critiques du DMA, puisqu'ils disent, en fait, c'est une législation qui a été faite contre nous, puisque c'est quasiment que des entreprises américaines qui vont tomber dans le champ d'application, et à côté, les entreprises européennes, les entreprises chinoises qui peuvent être dominantes, Monsieur Morel a notamment mentionné Alibaba, donc l'Amazon chinois, en gros, ces services-là, ils échapperaient au DMA, et du coup, il n'y a que les Américains qui...
qu'il aurait dans le baba, entre guillemets. Ah oui, et enfin, dernier truc sur le DMA qui est important à savoir, c'est ce qu'on approche, appelle la, l'approche ex ante. C'est M. Gozzi qui a mentionné ça. C'est quoi une approche ex ante? Donc, aujourd'hui, ou du moins avant le DMA, si vous observez des abus de concurrence, par exemple Amazon se comporte mal vis-à-vis de ses concurrents, vous devez passer par le droit de la concurrence. C'est-à-dire que vous devez les attaquer en justice, il doit y avoir la DG compétition, donc l'autorité européenne de la, les autorités de la concurrence qui doivent s'en mêler, etc. Ça prend 10 ans pour arriver au bout d'une procédure avec les appels, etc. etc. Et admettons que vous gagnez. 10 ans après, bah en fait, très bien, vous avez gagné, mais dans la plupart des cas, tous les concurrents ont déjà été exterminés. C'est impossible de réparer le marché en question. Il a été endommagé au-delà de tout. Et en fait, bah, même si au final, on a eu la justice qui a dit bah, « c'est bien, vous aviez raison », bah en fait, c'est bien, on a eu raison, mais beaucoup trop tard, le mal a déjà été fait. Et du coup, la Commission européenne, l'Union européenne, de manière générale, a décidé de changer un petit peu, pas de changer complètement son fusil d'épaule, mais de créer en fait un système complémentaire, qui est le DMA, où en gros, on ne s'appuie plus sur le fait de devoir attendre que il y ait déjà le problème qui est émergé pour pouvoir agir. En gros, c'est prévenir plutôt que guérir, l'enjeu. Et là, c'est ce qu'on appelle les règles ex ante, c'est-à-dire que par défaut, tous ce qu'on appelle les gatekeepers, donc ces entreprises, ces gros services numériques, devront par défaut respecter les règles du DMA qui leur interdit un certain nombre de pratiques anticoncurrentielles, que ce soit le fait qu'ils mettent en avant leur propre, de manière injuste, hein, qu'ils mettent en avant leur propre contenu par rapport à d'autres, le fait qu'ils refusent de partager les données avec leurs concurrents, le fait qu'ils ne fassent pas d'interopérabilité pour un certain nombre de services, etc. etc. Et donc l'idée, c'est que vraiment, on prévenir plutôt que guérir. C'est la morale de l'histoire pour le DMA. Et dernière chose que je vais partager avec vous avant de vous laisser là, puisque je suis arrivé au bout de mes notes, hein, pour tout vous dire, et à moins qu'il y ait un commentaire ou des questions sur le sujet, je ne vais pas vous retenir, juste pour le plaisir de vous retenir. Hop, je vous poste ce lien-là, qui est très bien fait. Alors, je ne sais pas très bien cadrer là sur mon affaire, pour mon affaire, mais bref, vous avez le lien, qui est un très bon résumé fait par toute l'Europe. Sur le DSA et le DMA pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que ça fait. Bref, écoutez, moi sur tout ça, je suis arrivé un peu au bout de mes sujets, à moins que vous ayez une question, sinon enfin, on peut en parler des heures, mais je ne vais pas faire un monologue pendant 20 heures. Donc j'espère que vous avez apprécié ce débat, cet échange sur la régulation européenne du numérique. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est la première fois qu'on faisait un débat comme ça. Faites-moi des retours sur Discord, sur Twitter, etc., etc. pour me dire si c'est un format qui vous plaît, s'il y a des choses que vous avez aimées, s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous mets hop, mes réseaux sociaux ici, comme ça vous pouvez aller sur le Discord pour me faire vos remarques et me suivre évidemment sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, etc. Toutes les bonnes choses, vous savez comment ça marche. On se retrouve ensuite dimanche prochain pour la revue de presse à 18h en français et à 20h en anglais. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Ciao tout le monde.